Bana mboka ya Congo mbote. Bonjour à vous tous qui êtes au pays. Na binu nyoso, bozali na bamboka ya bapaya, tu ya mipaya. Je voudrais brièvement parler sur deux points seulement. L'affront médiatique au business de Salaka, et surtout la conférence au Takiko Salaman à Paris, et puis la multiplicité dans le site, dans le YouTube, dans le moteur, il y a des informations sur Nani ya kobala mwasi obase bamuni bulumbu naye. Nani. Vous êtes en train de vous réduire au niveau de zéro. Une maman congolaise ne peut pas agir comme ça. Même à toi en Ndumba yango, okoya na écran o laksa bulumbu nayo. Vous venez parler de quoi? Est-ce que c'est ce qui plaît aux Congolais, les Congolais qui ont endeuillé pendant une vingtaine d'années? On lié binu boya kana ba émission. Comment kokombo landako? Comment kokipe libala na yo? Comment kosokola mwana na yo? Comment kobalaye ndako? Comment kolamba biloko ya kolia? Comment kwentretenir relation na yo na famille mobali? Relation ya mobali na famille na yo. C'est ce qu'il faut dire. Comment kokata bilanga? Comment kokende na école kotanga pour ajouter un plus? Na eloko mobala zoko yena ndako. Au lieu bozala toujours une charge sociale et pas mibale. Boke kotone sa église pour bozoloka. Boke ndeko sambela te. Boke ndeko luka mabala pour butuli. Bozoloka na écran bola ksa bulumbu. Qui a besoin de ça? En cette période où nous devons nous battre. Bino basi na biso. Bino bana na biso. Bino baser na biso. Écoutez, à l'époque quand l'Amérique est allée attaquer le Vietnam à cause de son pétrole. Mais renseignez-vous, ce sont les femmes qui ont joué un grand rôle. Basi bazale kokoti sa minduki na kati ya bitunga na bango o bazo kokomba bakuni na kati toba bauti na bilanga bazui biloko bakoti minduki na kati po ba kende koleisa bato bazana na kati ya front. Ezali bana basi bazale kokende ko charmer ba soldats américains tout en allant avec des baïonnettes. Bazoko boma bango to bazoko trahi bango bazoko yebisa basona bango esika ni ba américain bazali. C'est ça le rôle que vous devez jouer devant les envahisseurs, pas être ivre de joie pendant que nous sommes en deuil. Vous venez nous montrer vos sexes, qui a besoin de vos sexes? Mais respectez-vous. Mais jusque quand tu okenda ba comportement ningoy, c'est quelle génération pourrie comme ça que l'IDPS nous donne au Congo? C'est quelle génération pourrie comme ça? Bisso matona ya ajo to za papa na bino boya ko la bulumbu na bino. Mais vous êtes malade mental ou quoi? Qui a mis au monde de pourriture comme ça? Alors to sengi na ba tumususu oyo bazali na ba YouTube na bango na ba émission en fait na ba soi-disant site na bango. Ba ça la normaux. S'il y a un point à présenter pour me répéter, qu'on est tout droit na point yango. Mais écoutez, soyez quand même pédagogique, ce qu'on yébite ba formé yo. Tout ça na besoin de ba komo ya ba tobo si takate. Et puis ne me dis pas que nemoto yébisa kayo otala ba programme na biso. Je suis en train de vous aider. Ce qui oyébine lo ko mokote kangambanga na yo. Nous avons besoin du talent, pas de la médiocrité. Mais le YouTube est plein de racailles. N'importe qui vient dire n'importe quoi. Tout le monde a comme journaliste. Tout petit donc, n'a pas si conseil, essayez de revoir votre façon de vous présenter ma émission à Bino. Tout ça, on a besoin de bobar, on a koulobal, on a koumé, on a tenu sur le monde. Ceux qui ont appelé ça qui ont un rend, ceux qui ont appelé ça qui ont un dollar. Soka apesa kyo sapato, soka sumela kyo bière, soko zakine na McDonald's, il faut citer comme on aille. Ce n'est pas différent de ce que les musiciens font. C'est une cabale de distracteurs. Donc, ba na basio bazoko sa ba fausses émissions na bango,
y a sexologie, il y a YouTube, ba musicien, ba pasteur, na bino ba faux journaliste, na ba faux propriétaire à banane, y a ba site. Vous êtes la même cabale de distracteurs. Le Congo en deuil et en guerre n'a pas besoin de ce genre de site, de journalistes et de propriétaires de sites mendiants qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Nous avons un rôle, nous avons une mission, se d'éveiller la conscience et non pas de distraire les gens. Apparemment, Tozana Mwanamboka étant président, mais les choses qui se passent, c'est comme si Tozana président est dans le Congo. Il a prêté serment, on avait dansé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il n'y a rien qui change. Merci pour la question. Vous savez, la danse et la chanson accompagnent tous les événements en Afrique. Même dans les événements Zamabé, il y a toujours des danses, il y a toujours des chansons, que ce soit pendant les deuils, le mariage, l'enterrement, il y a toujours des chansons. C'est pas mal. Mais cette euphorie, il faut tout salamois effort, tout bandako changer, mais bilo kandingwana. Vous vous attendez à quoi? Vous croyez qu'un type comme lui peut avoir l'impérium au Congo? Il n'en a pas l'air, il n'en a pas le charisme, il n'a pas cette vision. L'unique vision qu'il a, c'est amasser l'argent, amasser des richesses, le prestige, c'est tout. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans l'opulence, il n'a pas souffert comme la majorité congolais. Il n'a pas connu la souffrance. Je ne dis pas que c'est ton passage obligé que tout le monde souffre. Je ne dis pas ça. Mais allez voir, ça commence d'abord par son corps. Bon, il n'est pas le premier à être gros. Hein. Je ne dis pas ça. Mais d'une manière psychologique, toute personne qui est grosse comme ça reflète le signe de quelqu'un qui ne raisonne pas. Comment est-ce qu'on peut grossir comme ça? Ça signifie qu'on ne perd aucune calorie pour devenir si gros comme ça. Et alors si on doit lui donner un à deux ans à la présidence, mais ça va ballonner. Ça va ballonner, on aura affaire à un obèse, un président obèse. Et ça, ça rentre dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a besoin du pouvoir, qui veut voler. Et comme il peut avoir la malchance, on va l'abattre. Comment il n'engage Nzoye Zalaka, Namasanga. Nzoye akoya amimi akei, amimi akei. Pona lengua Namasanga. Soko soko mona kaka akoyi balakoti onakati. Parce qu'il ne raisonne pas. C'est comme lui, il ne peut pas avoir l'impérium après avoir signé des accords léonais dans un pays étranger avec des Tutsis. Au Kanisa kya kusani. D'abord Kenya Ezali, un des berceaux de Tutsi, il faut y aller. Il domine ces pays-là. Rares sont des pays tels que la Tanzanie qui les a boutés dehors. Et puis, quand on s'est déversé par Nabiso, nous qui sommes nets, foulou na bango, c'est que Bayo Kumiboka. Il savait que, alors que contrôler le Congo, accueillir le Congotais parce qu'on lui a ravi tout le ministère régalien. Cela montre que nous avons affaire à un idiot. Nous avons affaire à un imbécile, un président imbécile, un président idiot. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir alors qu'on ne contrôle rien. Il n'est pas différent d'un ou d'une domestique à la maison qui va torchonner ta maison. Il se contente de miettes et du salaire, mais la maison ne lui appartient pas. C'est ça, lui. C'est ça, monsieur Félix. C'est un domestique des occupants. Et nous devons tout faire pour mettre fin à cette domestication. Sinon, image à ce qu'on peut faire, c'est que pourtant, nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas des domestiques des Rwandais. Nous ne pouvons pas les être. Donc,
ye na IDPS na ye bazali mutumoko. L'IDPS c'est un parti qui est voué à la disparition au Congo. Et si kabato bazali makasi, on doit tout faire pour te bannir yango na Congo. Il faut te bannir IDPS parce que c'est un parti de traîtres. Depuis papa naye atikala na yango tiboye ezali ba traître. Les gens qui avaient senti vent ya traîtrise wana balungwa net ba professeur Liao ba mbokiem na ba mususu ba moneke non ça ne va pas. Et jusqu'au niveau où le professeur Liao avait qualifié ça d'une coterie tribale. Il n'avait pas tort et ça se prouve jusqu'aujourd'hui. Na ba délégation na ye okumonaka bato ya tribu na ye. Je ne suis pas ici pour la tribu, mais nous parlons de compétences. Alors, compétences yango, azana yango te. Et nous ne devons nous attendre à rien. Parce que d'ici là, ce qui a été fait, c'était un coup, et un autre coup va bientôt suivre. Donc, et si ce coup et se suivre, ils allaient façon à Hippolyte Kanembe à reprendre le pouvoir, à justifier que non. Parce qu'il y a une compétence, il y a l'insécurité. À co-organiser d'abord l'insécurité, Namboka, à cause de raison, pour aller à cause la coup. Alors vous voyez la plupart des troubadours dans les YouTube qui sont en train d'acclamer non, tu sais que dit Fachi, Azo Salabonaboye, assis à Sali, Tronso, Sokia, et Outina Ipen, et Yena Kitambo. Si on doit inaugurer une autoroute, on doit inaugurer une route, un président doit venir parler, un premier ministre doit venir parler, Yanine. Ce malheureux, c'est de la médiocrité. Et nous devons nous lever pour élaguer toute cette racaille de l'IDPS. C'est un parti qu'on doit faire disparaître. Bah, parti nous soit là, IDPS Sani Badibanga, IDPS Bruno Tshibala, IDPS Félix Tshisekedi. Hein? C'est un héritage empoisonné pour le peuple congolais. Vous ne voyez pas que quelque part il a la bonne foi, comme étant président du Congo. Il est parti au Kenya avec une somme d'argent. Dans son retour, il s'est justifié, il a redonné encore cet argent au gouvernement. Il n'est pas le premier à le faire. Notre premier président, son Excellence Joseph Kasavubu, je n'ai pas l'habitude d'appeler des gens des excellences, hein. Mais je dis bien, son Excellence Joseph Kasavubu le faisait. Et on n'en faisait pas de publicité. Joseph Kasavubu ramenait de l'argent, il remettait ça au trésor, à la caisse publique. Donc il y a Azamo Talibosote et qu'on n'en fasse pas une publicité. Il doit faire ça pour ne pas piller la caisse de l'État. Ce n'est que normal et qu'on n'en fasse pas publicité. C'est rien, ça c'est rien par rapport à la souffrance des Congolais. Ce sont de déclarations de flatterie pour faire endormir le peuple congolais. Nous avons gros à faire. C'est arrêter, juger et exécuter les occupants. Et ceux parmi eux qui ont la chance doivent fuir d'eux-mêmes devant le feu de la population congolaise. Nous devons les apprivoiser et les manger. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'on a fait aux Allemands quand ils ont occupé la Pologne, quand ils ont occupé la France à l'époque. Il y a eu du feu nourri par les Alliés en débarquant en Normandie et quand les Anglais sont venus du Nord et les Russes sont venus vers l'Europe de l'Est pour les coincer. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a pas un langage de flatterie que non, il y a un Mbongo, à Zimbongo Wap. Pourquoi ils déclarent le peu d'argent là-bas? Qu'en est-il de millions de zoko yaka bazoko pesa yé? Il y a qui corruption? Pourquoi ils ne déclarent pas que non? Na Ouganda va pesa nga autant. Na Rwanda va pesa nga autant. Ce n'est pas ça. L'agenda, c'est d'organiser le peuple congolais pour bouter dehors, arrêter, juger et exécuter les occupants. C'est ça l'agenda. C'est ça l'agenda que nous voulons. Parce que ça a été fait
juste dans les derniers jours de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a apprivoisé le meurtrier nazi. On les a jugés, on a institué un tribunal à Nuremberg parce que le PPRD, le régime d'occupation de Kagame au Congo, n'est pas différent du nazisme. C'est calqué du nazisme. C'est la brutalité. C'est le meurtre, c'est le vol. C'est la discrimination, c'est le pillage, c'est l'humiliation. C'est ça le nazi. Et c'est ce qui se passe au Congo. Nous ne devons pas chercher à maquiller ça. Et devant une telle ou de telles atrocités, le langage n'est que le seul, c'est armer la population pour se défendre. Comment les gens peuvent continuer à faire des courbatures devant un malin, un rusé tel que Caméré? Où l'on voit encore qu'il y a des Congolais qui sont plus près de lui, qui sont ses chauffeurs, qui sont ses gardes du corps, qui lui applaudissent, et il n'est pas le seul. Tous ces Rwandais qui sont chez nous, les Rubérois, Azarias Rubérois, les Moïse Nyarugabo, mais ils sont connus, ce sont des figures publiques. Ces gens, on doit les apprivoiser parce que ce sont des nazistes. On doit les apprivoiser, les juger et les exécuter. Ils nous ont humiliés, ils pillent le Congo et il n'y a que ça qui doit leur faire réfléchir. Nous sommes des Bantous, nous ne devons pas oublier que c'est une guerre ethnique de Nilotiques contre nous les Bantous. Ils ont commencé avec ça, une revanche contre leurs propres frères voisins, les Hutus au Rwanda. Les Hutus signifient seulement Muntu comme chez nous. Vous voyez ça? Dans leur langue, Hutu, ce qui est un peu homonyme à Muntu, c'est la même chose. Et quand tu vas les Hutus, c'est la même morphologie que nous. Ils sont différents des Nilotiques. Ce n'est pas une question d'être raciste ici, le point n'est pas là. Le point est de dire que nous sommes dans une guerre ethnique où les Tutsis financent leur hégémonisme. Ils veulent écraser les Bantous en Afrique. C'est connu, ça a été dit, on a dit ça plusieurs fois dans des interventions médiatiques comme ça. Et nous devons tout faire pour faire comprendre ça à tout le monde au Congo et à travers l'Afrique. Et je pense que si le Congo gagnait cette guerre, tôt ou tard, ces gens vont chercher à aller ailleurs. Mais ils doivent apprendre une leçon au Congo. Donc, nous devons nous organiser pour combattre ces gens, malgré la présence de 455 ou 500 quelques officiers militaires rwandais chez nous. Ça, ce n'est pas la foudre de guerre, ça. Parce que toute l'Allemagne, presque, s'était déversée en France, s'était déversée partout à travers l'Europe. Mais la population, grâce à l'intervention aussi de l'étranger, la population s'est organisée. Elle les a broyés. Qui sont-ils? Ce sont des hommes comme nous. Comme l'homme idéal avait chanté, Passia Mouquez à la Kate. Hein? Que tu sois grand de taille, que tu sois gros, il suffit qu'on te gratine seulement la peau, tu vas pleurer, tu vas saigner comme tout le monde, au caca. Alors, ils ont des armes. Nous aussi, nous pouvons avoir des armes. Ceux qui ont des armes, tu copètes, tu vas couper. L'agenda de Tshisekedi, c'est de faire soulever la population. C'est ce qu'il devait faire. Pas faire des courbatures au Rwandais. Chaque jour, devant un criminel. Ça, c'est humilier le peuple congolais. Alors, cela, les gestes qu'il pose, c'est enfanté, ça, c'est puéril. Ce n'est pas ça que les Congolais méritent. Nous méritons plus que ça. Pas nous mettre un fanfaron comme ça à la tête du pays. On va ramasser un ramassis comme ça. Ça, c'est du gâchis politique, ça. Et ça doit se terminer. Parce que tout le monde, à travers lui, voit les Congolais. Mais on met comme ça devant les Congolais, à la tête du pays, un type comme ça. Mais c'est tout le Congo qui est humilié. C'est comme ce qui vient de se passer en Afrique du Sud, maintenant, avec ce pasteur. Tous les Congolais, ils sont des farceurs, des escrocs. Mais il avait prié pour le président. Mais écoutez, et chose faite, chose réalisée. Ben écoutez, ça, ce sont des histoires connues. Nous savons que
La religion va toujours de pair avec le pouvoir partout à travers le monde. Nous connaissons ça. La religion, c'est le béquille du pouvoir. Vous voyez ça? Quand le pouvoir, quand le gouvernement boitille, il s'appuie sur la religion. C'est l'opium du peuple. L'église de Lukau a voulu récupérer ça pour dire que c'est une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Il savait ce qu'il faisait. Hein? Lukau, c'est qui? C'était petit quoi, avec qui on vivait ici, à Crestview, ici, à Berea. Non, mais il a joué sa carte. Bon, ça va, on comprend. Mais il a joué. Bon, ça, c'est, on n'est pas là dans la question. Il n'y a que ceux-là qui ne le connaissent pas, qui le prennent pour un prophète ou un dieu. Mais Bisso, Toyebi, vétéran, Toyebi. C'est un farceur du Moyen-Âge. Et il l'a prouvé. Et maintenant, c'est tous les Congolais qui sont salis à cause de Yamoutou Ndengouana. Or, qu'est-ce qu'il cherchait encore? Il a une grande église. Il a eu tout ce que quelqu'un peut avoir dans ce monde. Les voitures luxueuses, des maisons luxueuses, des jets. Il a eu toutes les belles femmes du monde. Quoi de plus? Pour aller jouer des scènes comme ça devant l'écran international et humilier les Congolais. Voilà encore un type qu'on doit appréhender et juger et l'exécuter. Arrêtez. Mais voyez comment il salit la personnalité, l'image de l'homme congolais à ce point où notre personnalité est défenestrée, humiliée. Voilà encore quelqu'un qui met de l'épice dans la soupe. Mais ça ne va pas comme ça. Hein? C'est déjà comme ça. Il faut les frapper aux fesses. Les prendre, les fouetter. Des gens tels que Lukau. Mais il avait déjà tout. Voilà, il nous a humiliés. C'est la même chose avec votre soi-disant président de guillemets. Ce n'est pas un président. C'est un pressoir. Hein? On le presse comme ça, comme du citron. Ça, c'est trop fort. Hein, c'est pas fort. C'est comme ça. On est en train de le presser comme ça, comme du citron. Lorsqu'on aura récupéré le jus de son corps, on va jeter l'écorce. Et cela va venir bientôt. Comme conseil à Félix. Qu'il démissionne. D'abord, il ne peut pas démissionner parce qu'il n'est pas président. Donc, le mot démissionner, ça c'est de la comédie. Ça c'est de la comédie. Il ne peut pas démissionner. Surveille, il peut commettre un suicide, c'est mieux, ça va le servir. Au lieu qu'il reçoive une balle dans la tête parce que son mentor qui l'a mis là-bas, Alubaki Akolongwanayete. Mais nous devons comprendre. Hippolyte Kajambe Kanambe a tout dit. Il a dit Akolongwanayete. Ce qui veut dire Alongwa, il faut mettre la balle dans la tête à Moutou. Mais voilà, votre Félix va prêter serment. Mais c'est lui qui le nomme comme dauphin a dit Nakolongwate. Voilà que vous avez affaire à quelqu'un qui ne raisonne pas. Il continue à faire des réunions à Kingakati. Pourquoi? Mais c'est ça. Mais il avait dit Nakolongwate. Alors, ceux qui m'ont nommé, ils ont des deux fois à la présidente. Mais si Félix Azalaki est normal, il fallait le nommer. Président, pour appeler Hippolyte Kanambe président. Président, mais il y a le baki Okolongwate. Pourquoi tu me nommes? Alors, on a un bon gars. Là, on a un peu de loge. On a Félix qui est à Mobali, à Zan raisonnement. Parce que c'est clair, Hippolyte, on a un bon gars. Ce qui est un bon gars, ça signifie qu'il demeure président jusqu'aujourd'hui. Les Congolais oublient plus vite. Hein? C'est ça, c'est à cause de l'opium religieux. C'est à cause de l'opium religieux. La musique, c'est à cause de ça. Il y a un manque scandaleux de mémoire. Vous voyez ça? C'est un manque scandaleux de mémoire. On oublie facilement. Qui peut oublier que le père de celui-ci est un traître professionnel? Étienne Kabila. Étienne Tshisekedi. Mais comment? Mais il n'a joué que ça, envoyer les gens à la mort. C'est la perte de la démocratie. Mais écoutez, racontez des histoires. C'est bien raconter aux enfants de la crèche ça. Hein? Il n'a joué que ça. C'est l'ami personnel du dictateur Mobutu. Ça n'a pas été dit par moi, c'est dit même par mon compatriote. Président, il y a une autre question à ce qui concerne notre papa, Baba. Kyungu, parmi les 13 parlementaires, il est toujours vivant. Il est percepé là que non, Mwana Mboka, Mwana, a eu pouvoir. Azalaki dans
la muka mesiko yo alobiki no azongi na ipenda na simandengi zalaka nino ko pesa nino ko lo banaye. Vous savez, ce type là c'est un papillon, en même temps c'est un caméléon. Il n'y a pas que Caméry qui est caméléon. C'est un papillon, c'est un caméléon. Un papillon navigue, voltige là où le vent soupe, avec la direction du vent. Un caméléon change de couleur. Vous savez, c'est une malédiction pour le Katanga d'avoir un type comme ça, comme leader. C'est tout ce que je peux dire. J'ai tant parlé de lui que c'est un voleur, il m'a escroqué l'argent. Il connaît ça très bien. Tungu, regarde-moi, tu m'as escroqué de l'argent, toi et Moïse Katumbi, je ne cesserai jamais de le dire. J'ai tous les documents, vous deux, vous m'avez escroqué de l'argent. Au travers de votre envoyé spécial, Jean Kankonde, dont j'ai mis les photos dans une des vieilles interviews. Donc c'est une malédiction. C'est quelqu'un qui ne veut pas se retirer, prendre passion, il doit avoir... Il faut quand même prendre une retraite honorable. On se cache dans une ferme, dans un village quelque part, que non, j'ai tant travaillé, je dois maintenant me réjouir de la sueur de mon travail. C'est simple. Mais on voudrait toujours rester là-bas. Hein? Président du conseil législatif, ministre, ceci et cela. Mais ailleurs, on voit des gens qui démissionnent, les gens qui vont à la retraite volontaire. Il n'y a que la politique comme carrière, alors qu'on n'a rien produit sur le terrain. Si ce n'est que ce qu'on dit en Swahili, Kuchangani Shabatu, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Et ça, c'est honteux. Hein, quelqu'un de son âge. Eh bien, pour moi, il ne vaut rien. C'est juste un corrompu qui passe son temps à manger, à retirer d'argent par-ci, par-là. Mais comme je l'ai dit, pour me répéter, c'est un poison sur quelqu'un d'olibage hante les Katangais et les Congolais. Quelle est sa contribution au Katanga? Quelle est sa contribution au Congo? Oui, il a été parmi les 13 parlementaires. Mais ces 13 parlementaires, où sont-ils aujourd'hui? Donc, pour moi, il ne vaut rien. Il m'a escroqué de l'argent. C'est un voleur. Et son image ne fait pas respecter la politique au Congo. Il doit se retirer, il doit prendre retraite. Il serait mieux respecté s'il se retirait et rester dans l'ombre, comme on le dit, donner des conseils. Ça l'honorerait. Mais le lot, Azana peut perdre. Tantôt, Azoko Finga Moïse Katumbi. Tantôt, Azoko Finga Baï Depes. Le lot, moi, il y a comme président, Akeïli Suzukuna. Voilà. C'est du papillonnage, c'est de la prostitution politique. C'est un prostitué. Et il n'a pas honte, vous savez. Quand on n'a pas honte, on n'a pas la conscience. Vous savez, quand on n'a pas honte, on n'a pas la conscience. La conscience, et puis ça habite sur le sol et avertit que ce qui est mauvais n'a pas osé malam. Mais quand on ne se rapproche de rien, et qu'on croit que les allées autoroutes, tout est ouvert, c'est vert, alors on devient un problème à la société. Alors Kyungu, c'est un problème à la société. Il faut avoir honte de mentir, d'être un trouble fait. À cet âge-là, mon Dieu, il faut prendre la retraite. C'est malheureux. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas des excuses à donner aux gens. C'est votre compatriote, Jomadar Vibikil Mazamatia.